du chef de l'État. Edith Karen Kourissa. Au lendemain de la conférence de presse du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso sur le bilan de ses 100 jours à la tête du gouvernement congolais, l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a reçu ce mardi 21 septembre 2021 les épouses des membres du gouvernement Makosso. C'était pour un échange de prise de contact. La délégation a été conduite par Mme Aurélie Makosso, l'épouse du Premier ministre. Femme d'expérience et de haute facture dans l'univers sociopolitique de notre pays, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, a saisi l'opportunité pour se mettre à la disposition de ses premières conseillères des ministres et travailler main dans la main. Une ouverture d'esprit qui a réjoui ses interlocutrices. Ces dernières ont d'ailleurs promis d'accompagner la présidente de la Fondation Congo Assistance et présidente en exercice de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, dans ses différents chantiers. On ne le dira jamais assez que Mme Antoinette Sassou Nguesso a pour credo la protection du couple mère-enfant et l'assistance multiforme aux personnes vulnérables. Cependant, une note triste au cours de cette audience de présentation des civilités. Il s'agit de l'évocation de la mort de Mme Julia Nicole Bouya, l'épouse du ministre Jean-Jacques Bouya, décédée le 18 septembre dernier à Paris en France. Le rapatriement de sa dépouille mortelle interviendra dans les tout prochains jours, suivi de son inhumation au Congo, Brazzaville. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.